Salut, salut! Je t'ai failli être en retard. Oups! Ça m'arrive ça des fois d'être mêlée, vous me connaissez. Je vous laisse le temps d'arriver. En même temps, je vous place ici le prix qui était à gagner. Je vous rappelle qu'après chaque live, j'en fais tirer un. Ben en fait, je fais faire des commentaires, je le tire au prochain live suivant. Je fais un live demain soir, donc soyez rapides pour aller commenter parce que sinon, ben, il va y avoir moins de monde. Dites-moi un coucou quand vous êtes arrivés. Comme ça, je vais pouvoir savoir qui est là. Ça me fait plaisir. Salut, Lise! Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Écoute, j'ai une couple de blabla à faire avant de commencer ma page. Puis comme c'est une page à mon mini, mais d'habitude, c'est pas trop long. En tout cas, d'habitude, je dis ça. Salut, Julie! Mais salut, Karine! En fait, des fois, ça peut être long. Mais en tout cas, bref, je vais commencer par le tirage vu que j'ai beaucoup de blabla. J'ai décidé de faire différent au lieu de mon petit bac à papier, mais j'ai décidé de faire... Ça, c'était un faux, OK? Isabelle, t'as peu. Je veux pas bugger. J'ai fait des tests, ça marchait. Salut, Émilie. Salut, Alexandra. Là, vous êtes présents d'une belle pub. Ouais, dans le fond, c'est ça. Je fais tirer sur une petite roulette ce coup-ci. Comme ça va être plus le fun. Le prix, il était à l'endo. Donc, êtes-vous prête? Voyez-vous bien? Je pense que oui, hein? Et c'est parti! Bravo à Brigitte Fournier! Je triche pas, hein? Regardez. C'est encore plus fin, plus simple avec ça. Alors, salut Caroline. En fait, Brigitte, on va communiquer, toi et moi, ensemble. Mais tu as gagné ce merveilleux prix que je vais te faire parvenir ou quand on va se voir le prochain coup. Parce qu'à un moment donné, hein, ce ne sera plus le COVID. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, super. Merci beaucoup d'avoir participé. Puis, je vous rappelle qu'il faut participer au prochain. Parce que il y a tout le temps des prix. Puis, je vais vous le montrer à la fin. Mais là, mon nom blabla, salut Joël. Mon nom blabla, c'est que vous vous rappelez que je passe souvent commande chez Fabrica Décoru, puis je vous ai dit que je ferais la commande lundi, puis là, à du monde, j'ai dit « Oh, oui, je commande à soir, je suis mêlée, hein? » On est mardi. Ça m'arrive un peu, c'est les jours. Puis là, savez-vous ce que j'ai retrouvé? Salut, Nicole! Ben j'ai retrouvé une boîte que j'avais commandée, puis... Puis elle était en boîte. Fait que j'ai oublié que j'avais ça. Fait que je vous montre ce que j'avais dans ma petite boîte en attendant de commencer ma page. J'avais une coupe de chipboard que vous pouvez voir, qui sont neuves. Je vais peut-être les utiliser dans mon live demain. Voilà. J'avais... Salut, Bibiane! J'avais de la dentelle. L'autre fois, j'avais de la dentelle noire. Là, je la prends chez Fabrica Décoru. Trois sortes de dentelle. L'autre fois, quand je parlais de mes cols, que j'avais hâte d'avoir mes cols, mais je n'avais, il était caché dans ma boîte. Moi, je me trouve très drôle. C'est ça. Donc, les nouveaux sont plus mous, sont plus intéressants à travailler. Salut, Stéphanie! Ça, c'est intéressant pour celles qui recommandent la nouvelle colle, le nouveau format. J'avais acheté une coupe de petits sécoins avec des fleurs, des feuillages. C'est tellement drôle quand on fouine. J'avais acheté des die-cut panda, mais je pense que j'ai même pas les papiers. Ça, c'est très drôle. Ça, c'est moi. Écoute, hein, vous pensiez pas que j'allais déballer une page avec vous? Pas une page, mais une boîte. Il y avait aussi un kit, ça, c'est pour faire des cartes. Faudrait quasiment que je le vende. Non. Je m'étais dit, bon, achète ça. Moi, j'achète souvent des affaires, hein, puis je sais pas c'est quoi. Fait que voilà. Il y a aussi, j'avais acheté des petits trucs à faire, des boîtes intéressants. Peut-être que je vais le faire un jour. Vous savez, moi, je suis une ultra consommatrice. Fait que n'importe qui peut me dire, t'achètes beaucoup plus. Salut, salut Steph, je t'ai dit salut. Salut Brenda, salut Mélissa. Si tu te sens mal là, de consommer beaucoup de bricots, là, ben appelle-moi, je vais te montrer ma salle ou ce que j'achète. Ça, c'est des albums en craft. Je n'en avais acheté trois. Puis ils vendent aussi des tissus chez Fabrica Décoru pour recouvrir les albums. Je vais le faire à un moment donné. C'est dans ma boîte, un jour je vais le faire. J'avais acheté cette collection de papier-là que j'ai pas commencé encore. Qui est magnifique. Avec le 12-12. Et il me semble que j'ai les die-cut ou sinon, ils vont s'en venir dans la prochaine commande.
C'est drôle, hein, ce que j'achète des fois, trouvez-vous? Après ça, j'avais acheté ça, des papiers. Ils ont des magnifiques papiers avec la dorure, mais il y a aussi celui-là que je voulais découper à un moment donné dans mes projets. J'avais aussi acheté des stencils. Fait que ça vaut la peine de prendre tout le temps les mêmes stencils quand j'en ai un paquet ici. Je vais vous les montrer. Salut Annie! Dans le fond, ils sont beaux, hein? Moi qui cherche puis qui se dit, oh, je pourrais en acheter. Mais dans ce temps-là, il faut faire du ménage parce que dans ma boîte, je pensais que c'était juste du stock pour mes cours et non, c'était du stock pour moi. Ils ont des papiers vélin aussi qui sont super intéressants. Prêt à tout. Ouais, quand même, ça m'arrive. Prêt à tout, mais je range pas super. Hein? Je range pas super bien. J'ai presque fini ma boîte, inquiétez-vous pas. Après ça, je vais bricoler, mais... oh, bien. Je vais pogner un an, fait que je vais mettre ça comme ça. Voilà. Donc, je m'étais aussi acheté des boîtes. Pas des boîtes, mais des cadres. Comme un embellissement photo qui est intéressant. Salut, Yann! Pour se faire un montage photo, c'est en carton. J'en ai acheté deux. Je voulais voir c'était quoi. Mais écoute, j'ai pas vu ben, hein. C'était là. Ah, oh, ben non, j'en ai acheté trois. J'en ai acheté un craft aussi. Ben, un normal. En tout cas, à suivre. Il y a aussi des chipboards en grosse quantité. Là. Il y en a vraiment des gros, des méga chipboards. J'en avais acheté deux. Je me suis acheté déjà mon kit du calendrier de l'Avent. Hey, je suis d'avance. J'en ai deux parce que j'ai un filleul et un neveu. Donc, j'en ai acheté deux pour eux. J'ai bientôt fini ma boîte. Après ça, ben, je vais vous demander qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Ça, c'est des petits cailloux à l'intérieur. J'en ai acheté des bleus. Des fois, quand on veut faire de la garnotte, ça, c'est des petits brillants. C'est écrit en russe, fait que c'est sûr que même si je regarde, je ne sais pas c'est quoi. C'est cher le calendrier, c'est hot. Faudrait que je regarde le prix, je sais pas comment j'ai payé. Il y en a peut-être, c'est de la poudre embossée que j'ai essayé, en tout cas. Ou de la. Ouais, d'après moi, c'est de la poudre embossée quand c'est fin de même. Puis, c'est ça. Je pense que j'ai acheté, ouais, embossing powder. Fait que c'est. Il y en a qui sont écrits en anglais, puis. Donc, voilà, fait que je me suis acheté de la petite poudre embossée. Voici mes petites dépenses qui n'avaient pas été utilisées. Ça m'a fait plaisir de déballer ma boîte avec vous. Je ne me rappelais même plus ce que j'avais acheté. Fait que voilà. Avant de continuer à faire ma page, je l'avais dit hein, que dans le petit mémo du live que j'avais préparé des kits. Est-ce que vous voulez les voir tout de suite ou à la fin du live? Je veux vous entendre, là. Salut, Diane. J'ai préparé, dans le fond, deux kits pages. Est-ce que vous voulez les voir tout de suite ou vous aimez mieux que je les montre à la fin avec le prix suivant? En tout cas, vous me le direz. Je vous laisse un peu le temps de ramasser ma boîte. Je vous laisse répondre. Désolée pour les chiens encore en arrière. Fait que là, j'ai hâte. Comme tu veux maintenant, salut. maintenant, ok, super. Puis en fait, ce que j'ai pensé, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé une page pour demain, mon live de demain, ben je me suis gardé des papiers du kit, dans le fond, pour moi-même me faire ça. Fait que ça se peut que demain, je fasse un kit avec tout de suite, je vous montre ça. Avec des éléments du kit, fait que je vais faire une page, je vais peut-être rajouter des trucs, là, parce que c'est sûr que je suis allée dans un kit page. Puis, j'ai pas mis de produits mix média, mais je pense que c'est ça que je vais faire demain. Fait que je vous montre mes deux kits. Puis là, celles qui me connaissent, vous allez rire. Il y en a un jaune, il y en a un bleu. Puis savez-vous c'est lequel mon préféré? Ben, le jaune, toi, chose. Salut, Francine! Donc, je vais vous le montrer en dernier. Je vais vous montrer le premier. C'est un kit page, comme j'ai dit. Et il est turquoise en plus, puis j'aime mieux le jaune, c'est bizarre. Puis, pendant que je vous le montre, que je vous l'explique, j'aimerais, à la fin, que vous me disiez à peu près... Moi, j'ai un prix dans ma tête, mais à peu près combien vous payeriez pour un kit page comme ça? Juste être certaine, parce que je veux pas être overpriced ou
Low price. Je suis rendue anglophone. Oui, ben bleu turquoise. Non, mon préféré, c'est le jaune. C'est drôle, hein? Vous avez un basil blanc. Un papier, je vais essayer d'aller pas aller trop vite. Un papier à plumes gris et brun. Un papier ligné. Salut Nathalie! Salut Audrey! Avec du brun. Un papier à flèche et brun. C'est, il est d'un teint de brun. Hein? Avec des fleurs et chevron. Avec ça, j'ai ajouté trois petits... un papier vélin turquoise. Un papier à motif, moitié. Et un autre papier à motif. J'ai ajouté des cartes. Moi, j'aime bien endosser ou des choses comme ça. Fait que j'ai mélangé des collections. Donc, voilà, j'ai pas montré. Il y en a qui sont pas pareils dans tous les kits, mais la plupart sont pareils. J'ai ajouté un tag, des photos. Écoute, c'est mon oncle, ma grand-mère, puis ma soeur. Mais non, c'est pas vrai. aussi, des petites cartes. Je vais vous montrer de l'autre bord. Comme je disais, il y en a qui sont toutes pareilles dans les kits, mais il y en a que j'ai mélangé. Un petit embellissement et un petit tag. Un petit tag, ouais, ils ont déjà découpé. J'ai mis des autocollants. Et des autocollants pas transparents, mais noirs et blancs. J'ai mis quelques fleurs turquoises. Des fleurs, il y en a un peu de toutes les sortes. J'ai mis de la dentelle, un bout de dentelle, des feuillages blancs. Un autre bout de dentelle. Et les autres, c'est des petits embellissements qui sont customizers. On peut rajouter n'importe quoi dessus, puis ça change de couleur. Donc, c'est aquarellable. Donc, celui-ci, c'est le kit bleu. Dites-moi donc à peu près comment vous payeriez pour ça. Je suis curieuse. Je veux voir si j'étais dans le champ. Mais si vous me dites 2$, là, hein? Marthe, bonjour. Comment est-ce que ça vaut un kit page comme ça? Est-ce qu'il y a assez d'embellissement? Je veux vos commentaires, c'est mon premier. Faut bien que j'aille vos commentaires un petit peu avant. Puis là, le temps de ranger tout ça, vous allez pas me répondre. Tu sais, soyez pas gênés, là, 25$, Caroline. Moi, je veux ton avis, votre avis, parce que c'est important. Puis, Caroline, c'est encore Caroline, hein, je te lis. C'est ça, c'est important de savoir. Est-ce qu'il y a assez d'embellissement? Il en manque-tu? Moi, je serais capable de faire au moins 2 puis 3 pages avec ça. Mais peut-être que ça t'en prend plus. J'aimerais avoir tes commentaires le temps que je présente le jaune. Voilà, en fait, là, j'en ai 4 exemplaires de chaque, puis je vais en refaire d'autres, c'est sûr. C'est juste que c'est mes premiers, donc soyez indulgents. Vous êtes pas bien jasante? Bon, alors voilà, le kit jaune. Quand je vous disais que c'était mon préféré, 17$ pour Lise. Donc, voilà, il se ressemble un peu, les kits, parce que je voulais pas non plus avoir une grande différence. Donc, je vais vous montrer les papiers. Salut Dominique! Lui aussi, il y a un basil blanc. Un papier plus brun et jaune. Gris et jaune. Oui, vous m'écoutez, mais je vous pose des questions. Un papier bois et jaune. Et ouais, des badges parce que ouais, je n'ai pas comme 4 pareils. Il faudrait que je demande à Madame Lime Citron. Un vélin blanc. Une moitié de papier gris et bleu et l'autre jaune à poids. Après ça, il y a aussi des petites cartes. Il y a aussi les photos. C'est encore des gens de ma famille. Un tag. Une autre petite carte. Voilà. Un petit... carte des objets en métal. Ouais. En fait, c'est plus mes kits de mix média que j'aurais mis des objets en métal. Effectivement, ça aurait été le fun.
Bonne idée, Lise. Ouais, peut-être des badges. Peut-être que je pourrais rajouter des surprises dedans. Le temps qui soit pas là. Mais les objets en métal, effectivement, je voulais les mettre dans les kits mix média. C'est une bonne idée. Donc, là aussi, j'ai mis des fleurs blanches et jaunes. J'ai mis un bout de cordon. Des petites flèches parce que il y avait un papier qui avait des flèches en liège. Deux feuillages blancs et deux étiquettes. Voilà. Salut Nathalie. J'ai vu un peu vos prix. Est-ce que moi je suis curieuse c'est lequel votre préféré? Le bleu ou le jaune? Pendant que je cherche ça. Besoin que vous me répondez, moi là. Cassiopée répond, mais je comprends pas ce qu'elle dit. Il n'y a pas d'eau. Donc, c'est ça, dites-moi donc. Le jaune, oui, moi aussi, c'est mon préféré, le jaune. Puis, dans le fond, vous pouvez me dire votre préféré et le prix que vous payeriez, puis soyez pas gênés. Moi, je vais faire moi, je prends tout le temps vos trucs, puis je fais les deux. C'est le fun, ça, Lise. Je prends vos choses en information et après ça, j'y vais. Comme ça me le dit, parce que j'ai une tête de cochon, vous le savez. Hein? Donc, voici mes premiers kits. J'ai hâte de voir vos commentaires. Puis, j'ai hâte de voir lequel ton préféré. Dans le fond, puis Cassiopée a fait dire qu'elle allait mieux le jaune. C'est ça, hein? Elle a dit jaune. voilà, c'est sûr que pour commencer, j'en ai fait juste 4 parce que je voulais voir un peu ce que vous préfériez. Puis après ça, je vais m'amuser à faire un kit mix média. Donc, pour aujourd'hui, moi, Minette est à Nantes. Elle est tout le temps après moi. Pour aujourd'hui, on va faire celle-là. Je vais me sortir mes étampes un peu proches. Après ça, mes photos. Je vous l'avais-tu montré là? Je pense que oui, hein, je vous l'ai montré quand j'ai fini ça. Il me semble que oui, je radote. La dernière fois, on a fait des lions, fait que je ne prendrai pas des lions pour aujourd'hui. C'est dans sa palette de couleurs. Oui, peut-être. Salut, Elisabeth. Peut-être qu'elle aime ça, c'est pour ça qu'elle dit jaune. C'est tannante qu'elle est. Elle est tellement belle, mais épaisse. Mais on les aime de même. Là, hein, je vous l'avais dit que mes chats étaient en accouplement. Donc, j'ai Moon qui est sorti de l'accouplement, ça fait quelques jours. Puis, j'ai mis Chitoli avec Son. Fait que je n'ai eu d'autres qui se sont accouplés. On les a vus. Fait que c'est sûr que d'après moi, dans 65 jours au moins, j'ai des petits bébés. Ben, pas moi, là, mais... Hein? Les chats. Fait que ça va être le fun. Je vais commencer à choisir mes photos qui vont fitter avec ça. J'ai dit que je prenais pas des lions. Alors, je vais les mettre de côté. Puis là, je vais m'amuser. Fait que là, c'est le moment là, de me dire là, pour le kit. Si tu écoutes, puis c'est pas... Tu l'écoutes depuis... voyons. T'es pas avec nous en ce moment. Tu peux pareil répondre si tu l'écoutes après. Ça va me faire plaisir de comptabiliser le tout. Sinon, est-ce qu'il y en a qui ont une belle journée malgré la pluie? Est-ce que tu as eu le goût de te recoucher? T'as vu ça? Raconte-moi donc ta vie. Mieux que ça soit moi qui parle. Non? OK. Non, ça va être moi qui va parler, je pense bien. Je pense que ça va être des robes hein, ou des roses. J'ai rien préparé parce que j'ai préparé les kits en vitesse. Ben en vitesse, en avant, dans la journée. Fait que ça, je l'ai fait en vitesse. Puis, je sais pas si je pourrais donner son ami. Je sais pas où c'est allé, elle a comme une... En tout cas... En 25, moi, j'ai une belle journée. Super, Caroline, merci. Donc,
C'est sûr que le métal, je pense que je vais, vu que j'en ai quand même beaucoup, je trouve que ça s'adonnait moins bien avec ça. Je le donnerais, je le ferais plus dans mes kits mix média. Puis, comme je disais, ma commande part ce soir. Donc, je veux plus y aller avec certains autres produits de Fabrica décoré ou ailleurs. Ouais, même si, oui, hein, effectivement. En fait, être retraité, c'est le fun, mais quand tu peux faire des choses, là, on peut rien faire. Fait qu'est-ce que c'est plaisant d'être confiné? Pas vraiment. Pas vraiment. Ouais, mais bon. Voilà, fait que je vais commencer par ce côté-là pour m'amuser un peu. Puis, bon, j'ai choisi mes photos, je ne vais peut-être pas toutes prendre. Mais celle-là, je trouvais qu'elle fitait bien de ce côté-là. Je cherche qu'est-ce que je vais faire, hein, parce que vous savez bien que comme ce n'est pas préparé, ben je change et je le fais avec vous. Ces papiers-là, là, ça a été mes papiers préférés. Ça l'est encore. Je suis contente qu'il m'en reste, que j'en ai recommandé. Puis là, moi, je vais m'amuser tantôt parce que après toutes vos commandes, ben, je vais me commander des affaires à moi. Puis ça va sûrement faire comme la boîte que je vous ai montrée. Restez là parce que je vais l'avoir oublié. Pas nécessairement, là, mais c'est mon genre en tabarouette. De laisser traîner des choses parce que je les ai oubliées. Là, Caroline Bibeau, elle regarde pas, je pense, mais si elle regarderait, elle dirait, bon, elle coupe encore des papiers. Ben oui. Je regarde qu'est-ce que je pourrais faire. Est-ce qu'il y en a qui ont bricolé aujourd'hui? Ou non, pas du tout. Tu t'es dit, cette année, je fais juste ça de mon confinement. Dis-moi donc ça. Pour ceux hein, qui m'avaient demandé une page, là, ça va être demain. À 7h30. Ah, super, Émilie, tu bricoles avec moi. Ça, c'est le fun. Je vais faire semblant que tu es dans mon salon. Ben, en fait, je suis pas vraiment dans mon salon, mais en tout cas, t'as compris. T'as bien compris. Donc, pour l'instant, là, je colle les papiers. Ce bord-là, je ferai pas ben de... Je vais peut-être plus faire du crayonnage. Parce que il y a déjà beaucoup de motifs. De là à mettre une étampe, j'étais pas sûre. Ah, t'écoutes un film avec ton mari? Puis il m'écoute en même temps? Ou t'as fait ça aujourd'hui? Ah, une page d'art journal. Ça, c'est le fun. Oui, les inséparables. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une bonne idée. Ouais, on pourrait rester, oui, longtemps en confinement. Mais moi, du moment qu'on peut manger. Ben non, pas tant que ça. J'ai même pas pris le temps beaucoup de manger aujourd'hui, mais tu sais, en confinement, ça m'a fait juste ça, manger, puis, puis bricoler. Mais moi, j'ai recommencé à travailler, fait que je fais plus juste du confinement. Je fais plus juste du confinement. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit aujourd'hui, hein, moi, ça me prend traductrice. Donc là, je m'amuse avec les die-cuts que j'avais dans mon bac. C'est sûr que c'est pas la première page de l'album que je fais. Fait que je suis... J'essaie d'y aller tous dans le même thème. D'ajouter des die-cuts. Vu qu'il m'en reste deux pages après aujourd'hui. Mais bonjour, Cassiope. Ben, c'est sûr que je vais pouvoir... Je cherche même mes mots. Je vais pouvoir vous dire si avec un die-cut, die-cut et papier, j'en ai eu assez. Je pense que oui. Je pense que je vais en avoir eu assez.
Avez-vous aimé ma roulette du début pour le tirage? Aimez-vous mieux ça ou aimez-vous mieux quand je gosse dans mon truc à papier? C'est une grosse question existentielle que je vous pose. Vous devez répondre. C'est sûr qu'elle tire tout en terre. Vous la voyez pas, hein? C'est en train de patauger d'un die-cut, mademoiselle la Gertrude. En fait, le Cassiopée, quand je suis à l'ordinateur, elle passe son temps à miauler pour s'en venir. Si je la prends pas, elle capote. C'est une petite pièce. J'ai pas vu. Ah, c'était une roulette. Oui, c'est cool, hein? C'est juste plus long à rentrer, mais moi, ça me fait plaisir. Moi, j'aime mieux la roulette. On dirait que ça fait un vrai tirage, là. Quand je pratiquais, l'autre fois, mon chien me dit « Voyons, qui gagne quoi? » Il était en haut, puis il n'entendait pas ce que je disais. Il voyait pas ce que je faisais. Dans le fond. Bon, alors la roulette, elle a gagné. Super. Tantôt, je vais crayonner. Je pense que je vais aller m'amuser de l'autre côté pour ajouter de la texture. Je pourrais taper mon chat, la mettre sur l'album, comme ça, ça serait moins tannant. Elle arrêterait de, hein, d'être fatigante. Concentrée. Qu'est-ce qu'on fait quand je suis concentrée de même? Hein? On dirait que je pourrais mettre de la musique classique puis m'endormir. Quasiment, je suis zen. Et pourtant, je suis pas si zen que ça dans la vie, mais aujourd'hui, oui. Plus. Je vais me couper des petits bouts de papier. J'ai failli vous en couper pour n'en mettre d'inquiète, mais je me suis dit que les gens seraient capables de s'y couper. Ça fitrait. Imaginez si les gens ne seraient pas capables de se couper. Ah non, Cassiopée, je la garde, certain. C'est mon bébé. Dans le fond, c'est une maman reproduction. En fait, mais c'est un bébé, mais oui. C'est mon bébé que... qui le sait pas, mais qui va être une petite maman. Mais c'est sûr que elle va tout qu'avoir avec un caractère. Salut, Audrey-Anne! Ouais. Je fais juste la coller. Puis elle... Mais là, c'est ça. Fait que là, j'ai Chitoli qui va ressortir de l'accouplement dans... Je pense que je vais la sortir demain ou jeudi maximum. Parce que comme on l'a vu, je veux pas trop qu'il la pogne. Puis, j'ai... Vous savez que j'ai un autre race qui est les Maine Coon. Ben là, j'ai décidé... Mais comme j'ai mes tests qui sont faits, il manque juste les tests de hanches au vétérinaire. Ben, les vétérinaires sont tous fermés. Puis là, mais si je fais pas accoupler mes chattes, ben ils vont devenir malades parce que ils ont eu quand même une coupe de chaleur. Donc, si j'attends trop, ben ils vont développer une infection à l'utérus, puis ça sera pas gagnant pour moi, puis pour eux. Fait que j'ai décidé de les faire accoupler. Fait que là, j'ai Laura qui est avec Dexter. Oui, elle a du caractère incroyablement, cette petite. Mettons que c'est pas applicable que j'ai décidé d'acheter, mais c'est pas grave. Pas grave, c'est fait pour moi. C'est fait pour moi, cette race. Sinon, mais je serais pas heureuse d'avoir trop des chatons calmes. Mais oui, tout qu'un caractère. Pendant que je vous parle, là, hein, j'ai recoupé un autre petit bout. Je vais-tu trop vite? Je pense pas. J'ai même le temps de jaser quand je fais une page jumelée. Fait que là, ça vous tente-tu que demain, je prenne mes restants de pages puis que je me fasse une page comme si j'avais acheté un kit?
Ça vous tente ça? Parce que j'en ai qui m'ont demandé avec des fonds à motifs, puis il y a quand même des fonds à motifs dans le kit. Répondez-moi ça, là. Je fais ça, je fais autre chose parce que les kits, ils vous intéressent pas pantoute. En tout cas, j'ai hâte que mon tube de colle soit fini pour prendre mon nouveau tube. Parce que j'en avais finalement. Non, pas du tout. Ça vous intéresse les kits? OK. Ça serait-tu cool ou non, pas du tout? Je prends ça. Développe, Caroline, développe. Oh, c'est comme la même couleur. J'aime pas ça. Oui, en même temps, ça nous donne des idées pour prendre notre reste. Oui, le kit. OK, super. Fait qu'on va y aller avec le kit demain, je pense bien. Je pense bien. Puis, ça se peut bien que ça soit le. J'essaie de voir qu'est-ce qui me reste le plus, là. Mais ça se peut bien que ça soit le jaune, peut-être, vu que vous m'avez demandé de faire du jaune depuis le début. En tout cas, je vais voir. Je vais me préparer ça demain en arrivant de travailler. Je vais faire des petites étampes à la fin, mais je vais pas mettre mes photos. Ça va être prêt, puis après ça. Je pense que, savez-vous ce qui va me manquer le temps de finir ça, là? C'est des bouts de papier plus que des die-cuts. Il y a tellement de... Des petits bouts que... Mais bon, ça fait un bel album à la fin, hein? Si au moins, ça serait toutes mes photos, ça serait magnifique. Tu as posé... Oups! Première question que tu as... Hey boy, hein, ça fait longtemps. Ça me prendrait une assistante pour mes lives qui me réveille. Qui me remet sa map dans le sens que moi, on dit que je suis mêlée puis que je perds le fil. Non, j'aime pas ça. C'est orange. Je vais mettre mes papillons séparés. Savez-vous quoi? En plus, je suis en train de... Je vous ai pas dit ça, là, mais... Je suis encore en pyjama. Du bas. Pas du haut. Hein? Parlez-moi de ça, une fille qui profite de cette journée. J'ai décidé, parce qu'en fait, finalement, cette semaine, je travaille au service de garde d'urgence. Dans le fond, les écoles sont fermées, mais nous, on est appelés à y aller. Puis, je suis allée, j'ai rentré lundi. J'ai rentré aussi au foyer. Puis, quand j'ai foyer, c'est au centre jeunesse. Là. Celles qui me connaissent, pas complètement. Puis, dans le fond, c'est ça. Et vu qu'il y avait moins de jeunes ce matin au service d'urgence, ben ils ont décidé de mettre quelqu'un... Quelqu'un n'était pas obligé d'y aller. Donc, ben, je me suis portée volontaire à ne pas y aller. Mais en fait, ils ont décidé que ce serait moi qui serais... qui s'en irait. J'étais trop mauvaise. C'est pas vrai. Ouais, mais non, c'est pas vrai. Fait que c'est ça. Fait que finalement, ben, comme j'ai su ce matin que je travaillais pas, ben, j'ai dit, bon, ben, teinte, oui, va me reposer. Je vais pas cacher la fleur qu'il y a là. Mais en même temps, peut-être si j'y vais avec ça. Ça va peut-être être lit. Ouais, fait que j'en ai profité pour relaxer mon petit pompon et rester en pyjamas. Et de cette façon, en pyjama, ben, non, c'est là, je vais mettre. C'est ça. Il y en a qui sont en train de regarder mon live, là. Est-ce que. Je suis non, j'arrête pas de cacher la. Est-ce que vous les regardez, les re-regardez en YouTube ou non? Vous les regardez ici, puis sur la page, puis ça vous dérange pas que ça soit de côté. Je suis curieuse, hein? Ouh! Ben honnêtement, de côté, c'est pas grave. C'est plaisant. Salut Nadine!
Désolée, mon chum, il a toussé. Peut-être qu'il y a le COVID. Y en a-tu dans les gens là, qui l'ont eu? Oui, je les écoute en reprise sur YouTube. Vous les regardez ici. Dites-moi, oh, les deux, c'est bon. Faut que je me rappelle la question, mais là, à date, je m'en ai rappelé. Si tu manques le live, je regarde sur YouTube. Ben, en fait, sur YouTube, ce qui est intéressant, ben un, vous pouvez couper le son partout si vous voulez. Mais c'est au moins du bon sens. Fait que moi, c'est pour ça qu'il le refait. Puis pour ceux-là qui sont. Il y en a qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, puis pas à mon. Pas ici, à ma page Facebook. Donc, ben, ça permet aux gens de me suivre un peu partout. Les deux. Salut Joanne! Ouais. Là, ce que j'aime, moi, quand je les rouvre, c'est qu'on a un filon. Tous ensemble pour aller. C'est pour faire un. Je sais pas comment dire. Les deux. Super, pour que ça fasse un lien. Sérieux, je cherche mes mots. Y a-tu quelqu'un qui m'a volé mes mots aujourd'hui? Je sais pas, hein. Donc, ça va être drôle. Oui, super. Tu peux venir 2 minutes si tu veux. En redifféré, c'est correct. Sur YouTube, c'est ça qu'on était en train de parler, Joanne. Tu peux aussi dire, hey, oh non, elle est encore en train de parler. Hein? Je m'en vais. Ben non. Ça m'arrive souvent de parler, mais... Je pense qu'un live de gens qui parlent pas, mais ben, c'est un peu plate aussi. Fait que c'est ça. C'est ça qui arrive. Je vais prendre mon tranche pour couper ce papier-là. Fait que là, je suis en train d'essayer de réfléchir à. Réfléchir est un grand mot. Je suis en train de m'aligner pour faire mon chemin entre les deux. Peut-être trop relax. Je suis trop relax. Attendez. Moi, hein? Je suis plus relax que d'habitude. À moins que je demande à mon chum de me faire un café. Je sais pas. Me prendre ça un café? Non, il est tard. Il est tard, puis je travaille à 7h demain matin. Pour ça, se complète. Oui, c'est ça. Merci. OK, je vais me réveiller. Vous me trouvez trop plate. Tout le monde s'en va. Et je coupe croche. Ça paraît-tu qu'il est croche? Oups! Je suis allée vite. Salut, Joanne! Donc, t'aimerais quoi, toi, comme live? Là, je sais que vous voulez des cartes oranges. Mais sinon, sauve la carte orange. Qu'est-ce que tu aimerais? Là, ça, c'est mon truc parce que je le sais que ça plie. Fait que là, je le plie d'avance. Salut, Stéphanie, ma cousine. Pour perdre tes mots, ouais, c'est peut-être pour ça. OK, ouais. Vous voyez pas mon pyjama? Parce que, clairement, j'ai un gilet avec des manches fleuries puis un pyjama avec des rennes mauves en flanellette. Parce que c'est genre... C'est un vieux pyjama que j'avais reçu à Noël de ma mère. Parce que chaque année, je reçois un pyjama, une jaquette ou quelque chose. Salut, Marjolaine. Vous autres, c'est une tradition que vous avez de Noël? De vous donner des pyjamas ou quelque chose? Avez-vous une tradition que vous vous donnez tout le temps? Racontez-moi ça. Pendant que je me bats avec ma colle. Dites-moi si vous avez une tradition de Noël. C'est tout le temps la même affaire que vous avez? C'est-tu... Finalement, non, c'est pas tout le temps la même affaire, puis ça vous plaît. Qui est très traditionnel? Mon truc, il vaut pas vraiment de la boîte, hein?
C'est dur de faire en sorte que ça soit parfait. Ouais, je vous entends pas fort fort sur vos traditions de Noël. Quand j'étais jeune, maman faisait moi avec mon fils c'est le calendrier de l'Avent. Oui, ça c'est le fun, le calendrier de l'Avent. Cette année, moi j'en ai eu un de. J'en ai eu deux de calendrier de l'Avent, dans le fond. J'en ai eu. Mais non, j'en ai eu trois. J'en ai eu un au chocolat. Un de Scrap Fimon, puis un de Sagapo Scrap que je me suis acheté. Et bonne Noël, alors oui, des bonnes Noël, c'est le fun, ça. Ah, je suis nostalgique, coudonc. Pyjama et bonne Noël. La seule tradition d'être en famille, manger, ah oui, de la dinde. Des fois, on en mange. Tu sais, quand on a des parents séparés ou quand on va dans la famille à nos conjoints, ben, on en mange plusieurs fois de la dinde. C'est un peu la tradition de. Je vais faire l'autre bord. Oh non. Non, je vais faire lui. C'est un peu la tradition de beaucoup de familles, la dinde. C'est des bonnes idées. Puis là, la prochaine fête qui s'en vient, c'est la fête des mères. Avez-vous des traditions? Pour la fête des mères, la plupart, vous êtes tous déjà mères. Ou pas, puis c'est correct. Vous avez le droit, hein? C'est une tradition spéciale pour vous? Cette année, ça ne sera pas en famille, mais normalement, ouais, peut-être. Peut-être pas, hein? On ne sait tellement pas quand est-ce que ça va repartir, tout ça, que je pense que la fête des mères, youp, j'ai passé tout droit, elle va être cachée. Chacun sait quoi, c'est chez soi. Salut, Karine! Donc, c'est un petit peu plus long de coller ça, mais j'aime autant mieux que ça fit. Je m'étais gardé des petites bandelettes. J'aurais pu prendre du washi tape aussi. Ouais, pour la fête des mères, une carte, c'est une bonne idée. D'habitude, moi, je donne des fleurs. J'aime bien ça. Ça dépend des fois. Je fais pas la vaisselle. Ah, ça, c'est une bonne idée. Ça, ouais, j'adore. Quand tu fais pas la vaisselle parce que t'es la maman, c'est une très bonne idée. Très bonne idée. Là, je suis en train de me battre avec un petit bout. Je pense que oui. Moi, j'ai une tradition. Non, je n'ai pas de tradition de faire des mères, mais je veux être avec ma mère puis ma soeur parce que les deux sont mères. C'est quand même le fun. Mais sinon, je n'ai pas de tradition. Puis Noël, ben c'est les pyjamas. On n'a pas vraiment de bas de Noël. On a 22 000 cadeaux. Fait que ça fait pareil. Ah oui, resto, hein? Ce serait le fun d'aller au petit resto. Je tourne à le faire dans le plein. C'est plus long, là, parce que je veux juste faire le lien, mais en même temps, je te montre comment je fais. Parce que. C'est pas bien compliqué, mais. Si tu l'as jamais fait, ben ça va être un truc. C'est sûr que quand je fais mon mini, hein, il y a moins de techniques de mix média que d'habitude, mais on a du fun pareil. À part que vous me trouvez trop relax. Pour une fois que je suis zen, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis zen demain?
J'ai un chat qui dort à côté de moi. Qu'elle se fait de dormir. Oh, elle adore son petit coussin chauffant. Fait que tu vois. Des fois, capable d'être calme, elle aussi. C'est juste parfait. Donc, je voulais venir m'amuser avec ça ici. Puis. Peut-être que je vais y aller. Comme ça. Comme ça, puis on va voir le lien entre les deux. Comme je dis ça. Ça va être intéressant. C'est mon accent. Ouais. Bon, que je mets en arrière de ça pour que ça fasse beau. Je commence à avoir moins de papier. Je l'ai dit tantôt. Là, je trouve que j'en ai encore moins. Je pense que j'ai calculé tout croche, hein? J'ai calculé comme ça était grand. Je me suis dit 3 par 4, c'est 3,5 par 4,5. Ben non! Parce qu'elle est divisée en deux. Je regarde toujours de côté comme je fais pour avoir l'image droite. En fait, c'est ça. Et Facebook a changé ses... voyons. Ses paramètres. Donc, on ne peut plus mettre les lives de droit. Malheureusement. C'est vraiment triste parce que c'était le fun d'avoir des lives. Peut-être ici, ce serait plus beau. Ouais, c'est le fun d'avoir des lives du bon côté, mais quand je les mets, ils virent tout le temps, malheureusement. Je sais pas pourquoi, c'est plate. Ça se peut que ça change en quelques mois parce que Facebook change souvent, mais pour le moment, ça reste de côté, Joanne, malheureusement. Je suis désolée. Ouais. Je sais pas, hein, Facebook est étonnant pour ça parce qu'il change souvent ses façons de... On s'habitue à quelque chose puis il change. Je sais pas pourquoi. Faudrait qu'on demande au boss de Facebook de nous répondre. Pourquoi les lives deviennent de côté. Puis quand on les fait puis qu'on veut virer notre image, ben ça nous avertit. Vous ne pouvez pas virer votre image puis ça arrête. Écoutez-vous des lives que c'est de côté? C'est pas de côté? Si oui, ben vous me direz qui, puis je vais aller lui parler. Peut-être qu'il y a un truc que je fais mal, puis ça va me faire plaisir de l'arranger. Je sais pas si je le mets là, ça étant là, ou là. J'aime moins que ce soit en haut. Mais ça fait plus beau. Ouais, gênez-vous pas, hein, de me dire si vous avez regardé un live et il était du bon côté. Peut-être que si je mets l'appareil de l'autre sens, mais vous allez comme voir juste une petite fenêtre, là, vous le voyez, je sais pas. Peut-être qu'il faut que je le change de bord. Je suis désolée si vous entendez les chiens. D'après moi, ils vont dormir. Ils sont calmes. Hein? Ils sont zen comme moi. Ouais, Scrabook Tendance. Bon, ben, demande-y. C'est qui le faisait? Si c'est du bon sens, c'est quelque chose que je fais pas avec mon sel, puis ça se peut. Je vais aller l'arranger.
Si c'est... dites-moi donc, c'était qui de Scrapbook Tendance? Je vais aller lui demander. Scrapbook Art et Passion aussi, dans le fond. Bon, je vais le demander. C'était qui? C'était-tu Julie pour... Annie? On va vous arranger ça, moi, parce que ça m'énerve que ça soit de côté. C'était Karine? Karine chez Tendance, dans le fond, puis... C'est mon sel, dans le fond, puis mon sel, il veut pas se virer. Quand je le... Mettons, je le pars droit, puis je le mets, mais ça dit que je n'ai pas le droit de le virer. Donc, c'est pour ça que j'ai pas le choix de remettre la caméra de ce sens-là, mais ça m'énerve. Puis, Momo Pepper, bon, regarde, checkez-moi bien aller, je vais aller leur demander, comme ça, mais pas là, je m'en irai pas, mais je vais leur demander, puis les prochains vont être mieux. C'est peut-être dans mes paramètres de cellulaire ou... Ça doit être une petite niaiserie qui fait que c'est tannant. Fait que ça va me faire plaisir de vous changer ça pour vous. Bon. Mais je vais leur demander. Merci, hein, les filles, de m'avoir répondu. Vous êtes fines. Parce que c'est effectivement fatigant. Puis je voudrais pas être... responsable de vos torticolis. Par contre, je connais une bonne massothérapeute. hein? Mettons. Non, c'est pas le fun. Même moi, ça m'énerve. Puis je comprenais pas pourquoi, mais je suis pas capable d'aller le rechanger après. Fait que c'est pour ça que je le mettais sur Facebook. Voyons. YouTube, mais je vais pouvoir le faire pareil sur YouTube, mais je vais regarder. Je vais demander sûrement qu'une de ces filles-là a un Apple comme moi, puis qu'ils vont me trouver la solution. Puis peut-être que demain, tout va être réglé. Ça serait-tu pas génial? Ça serait parfaitement génial. Ah, mais non! C'est bien correct, Joanne. Ça fait juste me donner des... Moi, dans la vie, là, je suis contente. Hein? Saviez-vous? Donc, c'est bien correct que tu partes le bal, là, le baptême ou tout le kit, là, ça me fait plaisir. Puis, tu sais, on est toutes chez nous, on fait toutes des lives, on écoute toutes les lives des autres, mais j'ai pas eu le temps, malheureusement, avec le travail, d'écouter les lives des autres personnes. Puis, c'est par manque de temps, parce que je travaille. Fait que là, je vais aller vérifier comment ils font, puis je vais leur demander. Puis, c'est ça. Puis, en passant, c'est vrai, je viens de parler avec... Sylvie de Scrapbook Art et Passion. Puis, celles qui sont à Montréal ou dans les environs, là, Sylvie, elle les commande aussi, hein, les produits Fabrica Décoru. Donc, tu peux regarder avec elle s'il y a des... ça va lui faire plaisir, ou les filles de l'équipe créative, là, ça va leur faire plaisir de commander des choses qui ne sont pas dans leur PO ou quoi que ce soit, parce qu'ils vont faire une commande. Il y a une PO de plein d'affaires en ce moment. Donc, n'hésite pas à lui demander. Puis, c'est ça, je lui ai parlé tantôt, là. Moi, ce que je veux, là, c'est vous rendre service, surtout pour les filles qui sont à Québec. Montréal, ça me dérange pas, mais tu sais, ça serait plate que vous payiez deux fois du shipping, dans le fond, parce que moi, mes prix, il y a le shipping de là-bas, puis là, en plus, ça part de Québec, Sainte-Brigitte, puis ça monte chez vous, c'est un autre shipping, fait que n'hésitez pas. C'est ça, effectivement, Caroline, je suis plus loin un peu, mais... C'est ça, tu peux verrouiller la rotation de ton écran. Ah, mais c'est ça, mais comment on la verrouille? C'est peut-être ça, peut-être que mon sel est verrouillé. En tout cas, bref, c'est qui, c'est Émilie? On va regarder ça ensemble, tu m'aideras. C'est peut-être juste ça, il est peut-être verrouillé, puis il ne switch pas de côté, puis que ça fait que Facebook ne le switch pas non plus. C'est une petite niaiserie qui fait que ça fait pas beau. Je suis désolée. Ah oh non, je peux pas mettre ça là. Je serais pas capable de fermer le truc. Mais bon, j'ai Apple. Fait que vous pouvez me... Ça a marché. En fait, je pense que là, vous pouvez... Ah oh, ouais! Ah, oh, je comprends ce que tu veux dire. Tu verrouilles puis tu re-switch. Pour ceux qui le regardent en ce moment, vous pouvez le faire. Mais moi, il y a une façon pour que ça soit pas tout le temps de côté. Quoi? Émilie, je prends ça en note, je vais t'écrire après. Ça va me faire plaisir. Bon.
J'ai assez mis de die-cut, là. Je vais m'amuser avec les étampes. Puis je vais crayonner. Puis le tour va être joué. J'ai pas pensé que je fermais ça. Ça fait moins beau un peu. Peut-être que je suis. On va trouver une façon. Déverrouiller l'écran. Ouais, peut-être que vous pouvez verrouiller l'écran puis virer votre écran de bord. Mais si vous êtes sur ordi, moyen. Mais sinon, c'est sûrement possible là, pour vous de le faire. Moi, c'est pas possible. Avec mon ciel, ça doit être une niaiserie que j'ai faite. Mais là, en plein live, je peux pas le changer. Là, je vais m'amuser avec certaines étampes pour gribouiller. Puis après ça, je vais prendre mon crayon. Je ne sais pas si ça va être faisable ou pas. Là, c'est ma vieille Archival Ink. Je ne la tape pas en masse, mais sinon... Sinon, la VersaFine, pas besoin. Elle fonctionne très bien. Faudrait que je me commande une Archival Ink un jour dans mes temps libres. Salut Brigitte. Brigitte, t'as gagné. C'est ça, hein? C'était-tu Brigitte? Je suis mêlée. Non, non, c'est Brigitte. T'as gagné. T'as gagné le prix du live, fait que va falloir qu'on se voit. Mais pas demain, là, mais à un moment donné. Salut Lorraine! Ah oui, devant un drink, certain. Certains, j'ai le droit de boire. Hein? Mais peut-être qu'un jour, j'aurai plus le droit. On sait pas. Mais non, c'est ça. Oui, ça va me faire plaisir, Brigitte. Tu sais bien. De faire le party! Je l'aime bien, cette étampe-là. Elle est fun. Elle est bien, bien le fun. Elle fait du petit gribouillage facile, là. Plaisant. Venais-tu mis sa photo? Ça serait mon genre. Ça serait mon genre. Pas sûr qu'on va le voir. Je vais m'amuser pareil à faire autre chose. Voilà. J'ai pas mon... Je l'ai-tu mon papier? Je vais en nettoyer un petit peu après ça. Au même de même. Comment? Énervé? Tannant? Bizarre? Oh! Mais là, je suis zen, Brigitte. Donc. Je suis peut-être plate à écouter aujourd'hui. Ou pas. Ou pas. Ou oui. Ou non. Ou... Mais en tout cas, moi, je m'ennuie de vous autres, de bricoler, de faire un... Partez, d'aller souper, d'aller magasiner. Je m'ennuie de ça. Vraiment. J'ai mis mes chats ensemble en arrière de moi en accouplement. Puis ils sont là. Les entendez-vous? En tout cas, moi, je les entends. Je trouve ça drôle. Là, j'ai changé, puis je veux la VersaFine pour que ça soit plus beau. Puis, pour m'attacher encore plus les mains. Puis, je voulais être sûre que ça fonctionne. Wouh! Super! Ouais, on est toutes tannées, hein?
parce que c'est long. C'est long. Je suis chanceuse, par exemple, je vais travailler puis je vois du monde. Mais les enfants sont t'écœurés. Mais vraiment t'écœurés. Comme nous autres. Tu sais, d'expliquer à des enfants, va pas t'asseoir sur une balançoire. Va pas à 2 mètres de ton ami. Va, tu sais, c'est... Pour eux, c'est difficile à comprendre, hein? Puis même pour nous, c'est long puis plate, puis on trouve ça dur. Après petit test, c'est pas ça à suivre. Après petit test, quel petit test? J'ai pas compris, Émilie, le petit test. Ton groupe d'âge au centre du... Ah, oh, oui, oui, oui! Oui, on va faire un test. Salut, Sonia, mon groupe d'âge. En fait, moi, je travaille en foyer. Centre jeunesse, c'est 9 à 12 ans, mais présentement, on a des petites dérogations de petites personnes plus jeunes. Fait que j'en ai une de 6 ans, puis jusqu'à 12 ans. Donc, ça fait spécial de voir tout ce beau monde-là ensemble. C'est déjà que normalement, moi, c'est des troubles de comportement, hein? Puis déjà que normalement, juste ça, il s'endure pas. En plus, ils voient pas personne, puis ils peuvent pas voir leur... Oui, c'est l'album, un jour, il va être fini. Salut, Nathalie. En plus, ils peuvent pas voir leurs parents, ceux qui peuvent les voir encore. Fait qu'on fait des FaceTime. En tout cas, c'est pas... C'est quelque chose qui n'est pas le fun pour eux, je trouve. Pour, mais tu sais, elles sont bonnes, là, mes cocottes. Puis ça se peut qu'ils m'écoutent parce que des fois, ils vont voir. Les temples que j'avais, c'était All in Creed. Il y a une boutique en ligne, on peut les acheter. Je ne sais pas si celle-là est encore là. Mais elle est fun, hein? Ouais, ouais, c'est ça. Les filles, ils m'écoutent des fois quand ils ont rien à faire, là. Ils mettent ma chaîne YouTube. Puis il décide qu'il écoute Cindy. Pas drôle, hein? Ils n'ont rien à faire en tabarouette. Comme vous autres. Non, c'est pas vrai. Salut Sophie! Je fais des blagues, là. Je fais bien des blagues. Mais non, les filles, c'est ça. Ils aiment bien mon côté artistique, mon côté zen. J'ai-tu dit que j'étais zen? Mais non, mais mon côté... Mon côté moi. Qui fait que, ben, j'ai du fun dans mon travail. Je confirme qu'il y a un chat qui n'a pas de fun en arrière de moi, mais je sais pas. Gars, juste moi-même, là, je me perds avec mon truc de tente. C'est pas merveilleux. Celui-là, c'est Finabert. Le petit étampe, là, full pas cher qu'il y avait dans le temps. Le fun, le fun, le fun. Bon, après ça, moi, souvent, là... Je vais crayonner un peu, puis après, je vais mettre des petites dots. Puis mes 2 pages seraient quand même finies. Et quelle heure, hein? Dites-moi dans ça. J'ai quand même pris le temps de vous montrer 22 000 patentes au début. Donc, peut-être que tu trouves ça long. Mon crayon ne marche pas à moitié. Dites-moi donc, il est quelle heure? J'ai pas l'heure avec moi quand je fais des lives parce que malheureusement, ben, c'est directement sur... Salut, Julie! Ouais. Donc, j'ai pris un autre crayon. Pendant que je fais du crayonnage, dites-moi, il est quelle heure? Puis après ça, je vais faire les petites dots. Il est quelle heure, frère? 8h30. Il est 8h30. Merci, mon chum, plus vite que vous autres. Ah, c'est pas si pire, c'est pas 1 heure. Hein? Vous êtes pas tanné. Prends 1 heure. Des fois, c'est plus long. Des fois, c'est moins long. Donc, ouais, c'est ça. Je vais juste crayonner un peu. J'ai déjà fait une job de d'étampage. Fait que là, souvent, je fais de la fausse couture. Je m'amuse. J'y vais vite aussi. Il y en a qui le font avec des règles. Moi, vous connaissez ma patience au niveau des trucs. Bon, c'est bon, 8h30. Je pense qu'il y a un petit délai. Parce que quand j'ai demandé, il était à 8h30.
Puis là, vous autres, vous me dites, t'es 35. Il n'y a pas 5 minutes de délai, mais il y a un petit peu de délai. Ouais, c'est ça. Moi, je prends jamais de règles, mais il y en a qui prennent des règles. C'est correct aussi. Moi, je me dis que quand je couds, je prends pas de règles, puis c'est tout croche. Fait que c'est pas si pire, mais j'aime moins ça. Parce que on voit dépasser d'habitude, là. Tu sais, mettons, comme ici. Ben, je suis allée me faire des lignes, pas ça dépasse. J'ai oublié. Oups! Salut, Hélène! Hein? Donc, c'est ça. C'est ça qui est ça. Bon, puis après, ben là, je m'amuse souvent à faire du crayonnage. Donc, je vous rappelle que tout de suite après mon live, je vais aller finaliser la commande Fabrica Décoru. Je sais qu'il y en a qui sont venus m'écrire en privé. Je vais prendre le temps de tout prendre vos trucs avant de commander. Puis, ça va sûrement s'en venir rapidement, mais en même temps, je sais pas ça ressemble à quoi en Ukraine présentement. Parce qu'ils sont peut-être touchés beaucoup aussi, j'ai pas regardé. Je sais que pour mes chats en Russie, ils sont touchés beaucoup. Donc, c'est vrai, je n'ai pas dit ça. Ben, jeudi, je me réserve encore des nouveaux chats. Je pense que mon chum, il savait pas. Oups! Qu'est-ce que tu dis? Oups! En fait, ouais, c'est ça. Je réserve des nouveaux chats qui vont s'en venir de la Russie quand le COVID va être terminé. J'hésite. En fait, j'ai choisi une petite rousse. Mais j'hésite à prendre une autre rousse ou une autre qui ressemble à Malora. Je peux pas vous montrer. Mais non, je fais donc bien des niaiseries pendant que je parle. Qui ressemble à Laura parce que elle est un peu les mêmes couleurs mais plus foncée. J'hésite. Ah, elle sait pas. Elle sait pas si je prends deux rousses. Pas deux rousses. En fait, pourquoi que j'hésite, c'est que quand c'est trop roux, je vais avoir beaucoup, beaucoup de Maine Coon roux dans mes couleurs. Donc, j'aimerais faire une variété, mais dans mes autres. Si je prends l'autre aussi, il y a du roux dans son. Dans ses couleurs, donc il se peut que ça se retrouve aussi, mais c'est souvent apprécié, là, des chats roux, on aime ça. C'est juste que je veux pas juste avoir des chats roux. Toi, tu ferais quoi? C'est des Maine Coon. En fait, là, j'en ai 9, je vais en avoir 11. Oups! Ouais, c'est ça, des Maine Coon que j'ai. En fait, j'en ai une grise, silver, j'en ai une Black Smoke. Black Smoke, c'est qu'elle est noire avec le pelage. Voyons, le pelage gris. Pas gris, mais blanc. Fait que c'est toi qui dis Black Smoke. Après ça, j'en ai. Mon mâle est noir. Et Laura, elle est tabby. Ça veut dire qu'elle a plein de couleurs. Donc, j'en ai 9 présentement. J'ai des Bengales aussi. Donc, j'ai Cassiopée, une petite de 4 mois. J'ai Chitoli qui est en accouplement. À quel âge? Je ne sais plus. En fait, ils sont nés au mois de novembre. Non, ils sont nés au mois de septembre. 1er septembre, je pense. Fait que les. En fait, j'ai acheté Moon. Moon, ça a été difficile. Elle fonctionnait moins au niveau de l'accouplement. Puis elle a été quand même un peu malade. Puis après ça, j'ai racheté une autre femelle qui avait déjà une portée chez mon éleveur. Puis ça s'est adonné que c'est la sœur de Moon. C'est ça. Fait que là, Cheetah et Moon ont la même âge parce qu'on est en même temps de la même maman. Puis, ils ont 1 an et septembre. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ils ont 1 an et 7 mois. En fait, mes femelles, mais là, ceux qui m'écoutent souvent, ils doivent dire en radote. Mes femelles sont dans ma maison. Mes mâles, ils sont. En fait, j'ai. Tout arrangé avec mon chum. Là, j'ai tout arrangé mon garage avec un plancher d'époxy, puis des étagères, puis dans le fond, des étagères que mon chum a monté. Puis, on a tout arrangé ça avec des coussins que j'ai cousus pour leur faire des endroits bien installés. Donc, mes mâles sont dans le garage tout le temps. Présentement, ils s'entendent super bien. Là, c'est sûr que après l'accouplement, je vais voir comment ils s'entendent. Là. J'en ai un
finalement qui était en isolement vu que je faisais de l'accouplement dans le garage. Puis le temps que mes tests fonctionnent, s'arrangent, ben là, à ce moment-là, il était là, dans la salle à côté. Dans le fond, j'ai une pièce qui va devenir un jour ma salle de masso, mais qui ma salle de masso est en haut. Donc, cette pièce-là, pour l'instant, était pour mon gros Dexter. Et là, Dexter est en train d'être en accouplement avec une femelle dans cette pièce-là. Bref, il va t'avoir des petits bébés, pas pire, dans la maison, hein? Mais c'est ça. Fait que mes 9 femelles sont dans la... non, mes 7 femelles sont dans la maison, mais là, présentement, elles sont un peu mélangées. Mais sinon, oui, mes 9 vont rester toujours avec nous. C'est sûr que quand ils ont des bébés, ben, faut comme les isoler parce qu'ils aiment pas ça, accoucher avec tout le monde, surtout que j'ai 2 chiens avec ça. C'est ça. En fait, j'adore les animaux. Fait que, j'aime tout ça. J'adore. Les anneaux. Bon, je serais rendue à mettre des petites dots. By the way, ceux qui sont à Montréal, là, sont en PO, hein. Puis là, ceux-là sont débouchés. Fait que, mais je vais vous montrer le produit, là, fini. Puis, c'est sûr que je vais peut-être prendre des photos, puis je vais mettre des dots après demain. Parce que sinon, si j'en mets à l'intérieur, ça prend 3 heures à sécher. 1 heure, 3 heures. Fait que l'idéal, là, c'est d'avoir rien qui va dessus avant. Moi, j'adore ce qu'ils font. Les petites perles, là, c'est sûr qu'il faut s'amuser avec, mais puis les utiliser souvent. À ce moment-là, on est plus capable de faire des belles perles. Juste une short et elle est devant. Ouais. Mais en fait, là, quand on a un chat, il est souvent porté à aller vers les humains. Je dis pas que mes chats viennent pas vers les humains, non, ils sont vraiment attachés à merde. Mais, tu sais, ensemble, ils s'amusent. Fait que leur énergie, ils la passent ensemble. Donc, ils sont moins tannants quand ils viennent vers les humains. C'est pour venir chercher de l'affection. Puis, ça se passe quand même bien, là. Donc, fait que nous autres, les chats, ils sont vraiment gâtés ici. Puis, tu sais, si on a de la visite, pas en ce moment, mais si on a de la visite, ils viennent les voir. Sont rapidement, sont très sociabilisés. Puis même avec les enfants, mes clients aussi de masso, quand ils rentrent, ils voient mes chats, puis ça va bien. Fait que non, c'est ça, sont sociabilisés en masse. Fait que là, je fais des petites dots. Je vais en faire de l'autre côté, c'est certain, mais il va falloir que ça sèche. Fait que voici la page que j'ai faite, double page. Il va m'en rester 2 dans mon album. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Puis, tu sais, tantôt, je vous ai montré les kits. J'étais en train de préparer aussi des cours pour quand ça va repartir. J'ose pas trop vous les montrer tout de suite. Puis, teaser le monde. Parce que, tu sais, si, mettons, on est encore de même pendant 6 mois, mais ça va être long. Fait que j'aime autant mieux vous les présenter quand le COVID sera terminé. C'est cela, c'est cela. Ah, super, hein? 8 ans. Ouais, 8 ans, mais des chats, hein, ça dure longtemps. Puis, c'est tannant longtemps. Ça dépend aussi. Je ne sais pas elle est quelle couleur, mais moi, c'est pour ça que j'hésite à avoir 2 rousses, parce que rousse, c'est peste en tabarouette. Ouais, voilà. Alors, je vais la mettre de côté. Je vais prendre les photos. Je vais faire le montage vidéo ce soir et le reste demain. Puis, je vais vous présenter le prochain prix que je vais faire tirer demain là, avec mon tour de la roulette que vous avez aimé pour mon live de page avec un kit page. Je vais décider lequel que je vais prendre. Je départ, là. Donc, vous avez des petites cartes de Project Live hors journal, un chipboard de Scrapifix, puis un 2017. Hey, l'autre fois, c'était 2015, 2017. Je répète que ce sont des prix que je vous donne. Que s'il ne vous plaît pas, ben, hein, vous prenez ce qui vous tente là-dedans, puis le reste, ben, vous les donnez aux gens qui en voudraient. Ça me ferait plaisir de vous les donner. Puis, dans le fond, puis moi, plus je vous donne des petits cadeaux, plus j'achète des nouveautés pour mettre dans ma boutique en ligne. Fait que c'est pas le fun. Peut-être qu'à un moment donné, il n'y en aura plus de cadeaux dans mes lives. Fait que profitez-en. C'est ça. Fait que je vais rapidement prendre une photo. Pour pouvoir te mettre ça en questionnement pour que tu puisses participer. Parce que le prochain live est quand même juste demain à... Ah, ok.
Qui est fâchée? Elle se fait plaisir. Pourquoi vous me faites des faces fâchées? Fiu! Faites-moi pas des bonhommes. Hein? Ah, ben ça me fait plaisir, les prix. Je suis quand même quelqu'un d'habitude de très généreux. Mais tu sais, c'est une qualité, mais j'ai plein de défauts. Chialeuse, je dors pas, je parle tout le temps, je suis super active, mais bon, je suis attachante. Bon, voilà, après mes niaiseries, ben je vous dis un gros merci, gang, d'être là. On se retrouve demain. Puis c'est sûr que j'ai c'est une semaine plus mollo, je travaille moins. Ça se peut que je vous en propose un autre, soit vendredi, samedi ou jeudi, dimanche. Moi, je pense que j'irai plus à vendredi, dimanche. En tout cas, on verra qu'est-ce qui sera choisi. Mais tu sais, ça se peut que j'en fasse deux, trois. Mais là, c'est sûr. On verra rendu là. Mais demain, c'est une page que je vais faire. Fait que un gros merci d'avoir été là. Puis on se dit à demain si vous venez. Sinon, écoutez-moi ça prochainement. Puis après ça, mais je m'en vais faire des tests pour que ça arrête d'être de côté. Bye bye!